Salut à tous les amis, bienvenue pour la nouvelle partie de César en Gaule. Alors dans l'épisode précédent, on avait une énorme bataille qu'on a livrée ici, là, le petit marqueur des deux glaives, les deux gladius qui se croisent, où César a battu deux armées germaines et on a pu foncer vers Auricon. Juste avant, je pense que le tour prochain c'est l'hiver, donc je vais faire cette bataille. Je ne peux pas recruter de mercenaires, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'y en a pas de disponible. Et quand je fais ceci, on est perdant, enfin on est gagnant mais pas grand chose. Donc je vais la faire, je pense qu'on peut arriver à quelque chose par nous-mêmes. Et une fois qu'on aura gagné ça, on va pouvoir... Ah, ils sortent. Génial, je pouvais pas espérer mieux. Une fois que on les aura battus, c'est typiquement nous contre la garnison, hein. Franchement, ça devrait pas être si compliqué que ça. Et donc, on hibernera, on fera nos quartiers d'hiver dans Auricon pour pas perdre des hommes. Je me suis aussi pour que je rajoute une unité de train de bagages ici pour améliorer l'approvisionnement en ressources. Hop, super, il fait beau. Et ils sont en face de nous. Ah, génial, on va pouvoir leur foncer dedans. On va faire notre damier traditionnel. Tac. Oh, les unités commencent vraiment à être de plus en plus éparpillées. Plus vous allez vous mettre là. Il y a eux qui sont encore assez solides. Eux ils sont... Ils sont maintenant... Ah si, parce qu'ils ont beaucoup de monde en fait. Donc ça fait 155 sur 400. Donc ça fait encore une grosse unité. Ça, on va mettre ça là. C'est tellement efficace. Ça c'est tellement efficace le scorpion. On a fait 500 et quelques kills dans la dernière partie. C'est juste ahurissant. Hop, on va les mettre là. Ça les mercenaires, on va les mettre en face. En face de notre damier. Voilà, comme ceci. On va les avancer. Alors, après, on a des archers. Est-ce qu'ils ont de la cavalerie? Je ne pense pas que l'armée de garnison a de la cavalerie. Donc, on va juste prendre ça à notre avantage pour venir mettre nos unités, nos tirailleurs sur les flancs. Tac. Et ça et César, vous allez aller ici. Voilà, et ça on va même encore la mettre là-bas. Tac, donc on va se dépêcher, on va avancer, on va mener le combat directement. Vous pouvez tirer, on va viser le général ennemi, hein. On va pas se priver. Ou plus ça là, les spears, c'est les piquets, c'est vraiment un gros problème pour nous, surtout dans la bataille précédente. Je me demande où est-ce que leurs renforts vont arriver. On va accélérer ça. Tac. Ok. Hop. Ok, c'est rien de nouveau. Venez comme ça. Vous venez comme ceci. Les archers, on va les prendre sur le flanc. On va essayer de les envelopper. Et on va les attaquer. Hop, on va les laisser venir à nous. Hein. Tac. Hop. On va les charger. Derrière, faut que ça avance aussi. Tac. On fait avancer le damier. Ça va venir là, vous tirez là, ici, en avant, tu vas venir sur le côté, tu tires au centre, hop, on va éviter les trous, tac, on va passer par la souricière, ouh déjà, c'est pas bon ça. Allez. On va les charger par derrière.
C'est qui casse? Ah ok, non ça va, c'est mes mercenaires, donc c'est pas un problème. Hop. Non, là j'ai dit ici, vous ici. Même mieux, venez tirer là. Hop. Tirez là. Hop, passez là. Ouh, j'ai une troupe là aussi. Faut que je l'avance. On va essayer de trouver. Hop. Là, faut avancer. Là, faut avancer. Tirez, tirez, tirez. Hop. Hop. César, tu vas venir là. Hop. Ça, tu vas venir là. Ici, on va les envelopper comme ceci. On va faire des petites attaques. Normalement, ça devrait bien se faire. Hop, toi tu t'en vas, tu t'en vas. Tirez là. César, tu vas venir là, on va mettre du... Ah, j'ai mes légionnaires, ils sont en train de casser. Ici. Hop. Charge là. Hop. On va charger ici. Tiens, vise le général ennemi. Tire là. Ok, ça craque, super. Ah, ils ont fait un bouclier. Ça va être compliqué de se les affaire. Hop, faut vite sortir avant qu'ils arrivent. Il y a qui ici, eux? Allez, 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 on va se faire la garnison. Je sais pas où sont leurs renforts, hein, je les vois pas. Tape là. Ils sont en train de battre en retraite ici aussi au centre. Hop. On va venir se les faire. Ça se passe plutôt bien. On va tuer ça. Le général Mi, on doit faire quand même pas mal de dégâts parce qu'on tire dans le dos. Hop, César, tu vas mettre tous tes attributs. Ouf, le géant, on est vraiment en train de le tuer. On va venir là. Là, il faut que je mette de la cavalerie pour aller chercher. On va s'en occuper. Vous inquiétez pas, je les ai pas oubliés. César, tu viens là. Toi, tu tires là. Ici, ici, finissez-le. Allez, 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 allez. Tiens, on va essayer de tuer le général ennemi. On va le charger. Faut vous charger. Hop, on va les remettre. La petite charge de César par derrière. Amende. Amant. Ouf. Ça va les calmer. Ouais, super. Là-bas, tu reviens aussi, s'il te plaît. Yes. Général est mort. On va venir aider là. On va accélérer. C'est gagné. Hop, toi tu viens, tu es là.
César, tu vas pouvoir te faire plaisir et tuer tout le monde. On va continuer, c'est l'expérience. Bon, ça, c'est plutôt bien passé, hein. Hop. Tue tout le monde. J'ai pas vu leur renfort, bizarrement. On a eu quand même quelques pertes, hein, mais dans l'ensemble, ça va. 32. Là-bas, il y en a un peu encore. Là-bas, il y en a. Ils ont tué combien, eux? 420. Pff. Franchement, le scorpion, c'est tellement efficace. En vrai, je sais pas si ça tue mes propres troupes aussi. Ok, super. On commence cette vidéo de la meilleure des manières, les amis. De la meilleure des manières. Perdu 400. Alors, vous pouvez voir les résultats. Les archers sont plutôt bons. Oui, c'était pas terrible. Hein. J'ai une légion qui a pas été trop folle non plus. Et on prend la ville. Parfait, juste avant l'hiver. On peut libérer. Le looter. Je me demande si je loot. Ça va être mal perçu par les autres. Je vais looter parce que c'est quand même pas mal d'argent. Et je me demande donc ce que ça... Non, ça ne change pas, parfait. Et on a pas mal de thunes, on a 20 000. Donc au prochain tour. Alors là par contre il va nous falloir de la nourriture, clairement. C'est quoi ça? Donc on va réparer ou on change. On va réparer ça. Ça on va le détruire. Ça, on va le changer. Ici, il me faut de la bouffe. 6 tours, 4 tours, 4. De la bouffe ou de l'argent. On va plus faire de l'argent ici. On va faire ça. Et on va faire ça ici. Voilà. Super. Et alors, je voulais améliorer mes relations avec mes ennemis, avec mes amis. Comment on se situe? On se situe plutôt bien. On a bien avancé. Il y a eux qui vont être notre prochaine cible. Donc, notre prochaine cible, voilà. Et on finira les Suebi si possible. Alors. Non. Combien il faudrait que je les... Si je paye tout ça, 16 000. Attendez, je veux juste voir à peu près. J'avais 20 000, c'est ça. Je sais plus où ce que j'ai pensé. Si je veux vraiment que les Aeudis restent mes amis, vous allez me dire, bah, c'est complètement fou de mettre autant d'argent. C'est pour voir jusqu'où ça. Ok, ils veulent vraiment pas faire de trade. Une alliance défensive, non. Ils veulent vraiment rien. Même avec 20 000, je pourrais rien faire avec eux. Au moins, c'est pour savoir où est-ce que ça va. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est leur donner de l'argent pour améliorer ça. Faut qu'on soit au-dessus. On a 85. Je vais leur donner. Ah non, je vais faire. Joindre les guerres. Non, j'aimerais bien qu'ils. C'est pas possible de dire à quelqu'un de déclarer la guerre. C'est peut-être parce qu'ils ont trop de. Les Sénon. Ils sont où, hein? Les Allobroges, c'est mes amis. Eux, je les connais pas. Hein. Hop. Ils ont peut-être trop de routes commerciales en fait. Non, ils voudront pas, ça sert à rien. Donc, je vais leur faire un cadeau. 85. Welcome, worthy friend. Let us pray. The gods will 104, super. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we... Voilà. 133. Massilia, c'est pas trop mal. Eux, on va joindre la guerre, ils vont mieux m'aimer. Je pense là, ils seraient prêts. Non, même pas prêts à faire la paix. Les Vocanti, ils m'aiment plutôt bien. On va leur faire un petit cadeau aussi. Tac. 112, super. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas trop ce que je fais, hein, sûrement. Pourquoi tu balances toute ta thune chez tes alliés? Vous verrez, vous verrez. Hop, ça faut réparer. On va réparer plutôt et ensuite on changera. Ça on va détruire. C'est nécessaire les gars, c'est nécessaire. Parce que on fait beaucoup de thunes là. J'ai plus envie d'améliorer tout ça. Tant qu'on peut, le commerce on fait 500.
300 de commerce. On va faire ça. Ça va ramener de l'argent. Je vais encore faire le truc un tour. Et ensuite... ensuite, est-ce que... On va laisser César là-dedans. Et ensuite, ce sera l'hiver sûrement. Donc, alors... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est pas mal. Piété. Pff, non, c'est pas terrible. Moins 3 de banditerie, ça peut être pas mal. Mais là, on a 0 en banditerie, donc c'est pas très utile. Quelque chose pour améliorer la, la campagne. Campagne range movement. Où est-ce que c'est? Plus 4. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'on la taxe ici? On la taxe. Moins 63. Pff, quoi qu'il arrive, ils m'aimeront pas. Donc, il y aura une rébellion qu'on tuera dans l'œuf. Ok, ok, ça a l'air plutôt bien. Donc, je vais faire encore un... l'ordre public est pas terrible, hein, c'est sûr. Narbonensis à moins 72. On verra ce qui va se passer. Parce que j'ai mis de la thune. Au pire, j'enlèverai, c'est pas grave. Et encore un tour pour avoir ça et démarrer vraiment les bâtiments. Et après, je remettrai les taxes comme il faut. Alors, si je dis pas de bêtises... Oh, il y a une armée là, je les ai pas vus. Une armée de Germains. Ouh, ça peut être problématique. Rébellion imminente en Helvétie. Rébellion imminente. Ouais, des rébellions imminentes partout. Donc là, on va baisser les taxes. On va les remettre à la normale. À moins 11, moins 5, moins 8. Limite, si j'arrête de la taxer... Moins 1, sinon c'est combien? Moins 8. Pour si peu, ça ne sert à rien de la taxer. Ok, donc là on a une patrouille. Je sais pas où est-ce qu'ils vont arriver. Je ne pense pas qu'ils puissent traverser un... Shortage. On produit pas mal de bouffe ici, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ça, pour refaire des troupes, ça peut être pas mal. On va faire ça. Je peux faire ces gars-là. Alors, je vais recruter. Et je vais merger des troupes parce que ça sert à rien. Je vais tout merger, hein. On va pas se poser de questions. Non, il y a elle qui peut pas merger. Ok, vous en allez, vous en allez. Ça me coûtait de l'argent pour rien. La corde prima, il y a 78 hommes. Ça, je peux pas merger si. Ah non, c'est différent. Et je vais prendre. Alors, ça. Peut-être plus de la cavalerie en fait, c'est peut-être plus utile. Voilà, avec César. J'ai peur de cette armée-là. On va voir ce qu'ils vont faire. Je sais pas où va être la rébellion en fait, moins 16, donc j'ai encore un tour. Moins 9. Je vais pas pouvoir arrêter la rébellion. Et ici, il faut que j'améliore... ça que 6. Ils sont pas très contents ici. Hein. Ça, je vais plus trop en avoir besoin. Je vais peut-être faire autre chose. Vu qu'on a un bâtiment ici. Ça, on va l'enlever. Et on va faire un bâtiment pour les rendre heureux. Et là, on va faire ça pour faire plus 300. Tac. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Mes relations 103, c'est toujours bon. Ils veulent toujours pas. Bon, peut-être un jour ils voudront. Les biturges, ils sont là-bas. C'est pas notre souci, ils sont trop loin. Eux, ça va. Massilia, ça va. Eux, 109, super. Les Volcae, bon, ils font rien. On va attendre que l'hiver passe. Je pense que le prochain tour, ça va être l'hiver. Les Suébis n'ont rien fait, tant mieux. Oh, y a une rébellion ici, on va aller la tuer. Les Rémi ont pris la ville là-haut. Rébellion à Roricon, ok.
Rébellion imminente en Helvétie. Moins 15. Ah si, ils peuvent descendre là, je crois. Ah, bon, au pire... Ah, j'ai mis quand même pas mal de bâtiments, ça m'embête un peu. Alors, déjà, on va les tuer. Cette rébellion-là. Tac. Faut pas beaucoup d'argent. Bon, il n'y a pas de danger immédiat. On peut mettre en patrouille. Et on peut remettre ça. Et j'ai pu recruter. Ok, super. Ouf, ça c'est pas mal. Ça aussi. Ok. Il risque de prendre la ville ici. À moins que je... Ah, ça baisse, c'est pas bon. À moins que je arrive à faire la paix. Ouh, je peux faire du commerce avec eux. Ah oui, c'est vrai, on est à côté. Bah écoutez, on va faire du commerce. Hein. Si c'est possible, super. Alors, est-ce que je peux demander plus? Ah, une alliance défensive, ça pourrait être pas mal. J'ai déjà demandé de l'argent. Combien ils peuvent donner? 6000. On va déjà prendre ça. C'est pas trop mal. On va faire plus d'argent, on a 6000. Parce que eux, après, ça se passe comment? Ils aiment bien l'énergie ou pas? J'ai pas encore d'informations sur l'énergie. Toujours pas intéressé. 98, ça va, ça reste quand même assez haut. Ça, ça monte. Massilia, ça monte tranquillement. Et la guerre avec les Arvennes, comment ça se passe? Ça a l'air de bien se passer, je vois pas trop d'armée. Plus qu'un tour et on aura de la bouffe. Super. Limite, je pourrais améliorer ça pour... si je taxe... j'ai un peu d'argent, je vais peut-être mettre dans l'autre sens. On va mettre quelque chose qui améliore l'ordre public. 2300, hop, on va faire ça. C'est pas très grave, c'est pas beaucoup d'argent. Ici, moins 4 d'ordre public. Mais on fait plus d'argent. Le banditerie sera élevé par contre. Ah oui, alors là, je voulais faire quelque chose qui allait améliorer. On va faire ça. L'ordre public. Ici, on peut améliorer la ville. Moins 2 de bouffe. Ça ramène à faire ça. Et ma question, donc, c'est est-ce que... moins 11. Je continue à recruter ici. J'enlève ces bâtiments-là ou pas? Ouais, je vais les enlever parce que je sais pas si ils comptent m'attaquer ou pas. Et on va passer le tour. Et ils ont attaqué, donc j'ai bien fait effectivement de ne pas laisser les bâtiments. Bon, c'est pas très grave, c'est pas la mort du petit cheval. Je sais pas c'est qui lui en CJ. Ils ont pris la ville, on ira la reprendre plus tard, hein. C'est pas très grave. L'hiver va arriver dans très peu de temps. Et voilà, l'hiver est là. Donc il y a une rébellion au clan d'Urion. Maxima Sequanti. Ok, c'est pas très grave. On va vite rentrer dans la ville. Voilà, super. Ouais, si je reste en fond, on hiverne là. On est là pour hiverner avec César. Donc ici, je vais essayer de tuer l'armée. Super, ils veulent se battre. On va tous les tuer. Voilà. Et on va vite rentrer par la suite dans la ville. On fait pas mal d'argent. Comment ça se passe là-haut? Ouf, il faut une percée monumentale, hein, les Rémi. Je pourrais limite aller les prendre par la suite. Oulala, par contre les Arvennes, ils deviennent puissants là. Ils vont attaquer
Les Viennois, c'est pas bon. Faut que je... C'est pas bon, c'est pas bon. Moins 9. C'est à quoi? C'est à cause de l'hiver? Bah écoutez, on a de l'argent. Tiens, je peux pas bouger. Ah, il doit, ça va être un bug. Je vais l'enlever. Je vais rajouter quelqu'un de gratuit. Cassius. Non, dans la ville. Et on va recruter. Tiens, il y a plusieurs unités. Truc pas cher. Qui peut faire le taf. La défense. 400. Hop. Voilà. On va faire ça. Si je la taxe. Moins 15. Ok, j'aurai encore un tour pour recruter. Ça me va. Est-ce que Massilia est en guerre contre les Arvennes? Non. Il faudrait qu'il le fasse. Et ils ne veulent pas modérer. Est-ce que ça vaudrait le coup que je mette autant d'argent? Alors. Peut-être les Zaudi aimeraient bien rentrer en guerre. Et si je te paye. Ah, yes. Aïe. Modéré. Ah. Donc 3000, ils ont dit non. Ok. Ils ont accepté. Donc, ils vont m'aider. Enfin, ils vont m'aider. Ils vont aider mes alliés. Donc les Rémi deviennent puissants, hein. Ils deviennent très très puissants. Bon, on verra ce que ça donne. Déjà, on va prendre tout ce beau monde. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir aider. Et là, je donnerai bien de l'argent à Vienne pour qu'ils se défendent. J'ai pas envie qu'ils tombent. Je vais leur donner ça. Ça devrait les aider, j'espère. Voilà. Après, j'ai un peu d'argent. Qu'est-ce que je fais avec? De la bouffe. De la bouffe, de la bouffe. Ouais. Là, ça peut être pas mal de faire ça aussi. Et est-ce que je peux faire autre chose? Non. Prochain tour, on pourra. On fait pas mal d'argent. C'est l'hiver. Ça va plutôt bien. On aura plus un d'ordre public. César est en train d'hiverner, pardon. Donc tout se passe plutôt bien. Ah, je vais peut-être augmenter des capacités. C'est Brutus là, ouais. Voilà, je vais le monter en grade. Il y aura plus de taxes. Hop, super. On va faire ça. Voilà. Et l'hiver est arrivé, les amis, donc je crois que c'est quand même pas mal de tours. Hein. L'hiver, c'est 2-3 mois, hein, donc, voire plus. Donc on est parti pour une dizaine de tours. L'un de nos nobles a une fille qui s'est prouvée utile à travers un médiator entre les patriciens et les plébéiens. On devrait là, ok, l'engager. On va l'engager. Rébellion à Roricon, ouais. On devrait mettre une armée dans Octondurion. Rébellion imminente à Narbonensis. Ouais, ça, on est au courant, monsieur. C'est pour ça qu'on recrute. C'est pour ça qu'on recrute. Tac. Alors, ça, c'est terminé. Deux d'ordre public. Ça, c'est pas mal aussi. L'ordre public, ça va être nécessaire. Voyons voir ce que ça donne. Ils restent là. Tiens, je vais mettre les Avernes, hop, ici, comme ça, avec un peu de chance, ils vont aller taper les Avernes. Hop, tu vas rentrer dans la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des unités qui ne coûtent pas cher et qu'on peut recruter comme ceci? Là, c'est en cours, on va améliorer ça. Rébellion. Hop, on s'en occupe. Ça fait de l'animation et d'expérience pour mes troupes. Et on rentre vite dans la ville. Voilà.
Elle est taxée d'ailleurs, oui, elle est taxée. Donc plus qu'un tour et ça ira mieux. Hop, tiens, tu fais ça. Il faudrait que je prenne cette ville, mais pas pendant l'hiver, hein, parce que mes troupes elles vont mourir. Donc, ici, on va augmenter ça. Dans deux tours, on devrait faire plus d'argent. Ok. Alors, 95, on va voir nos amis. 95, 142. Les Rémi, 74, ça, ça va. 41. C'est qui, eux, les Tarbelli? Ils sont tous là-bas. Non. Ils ont pas l'air... je vais rentrer en guerre dans pas longtemps avec eux. Je sais pas pourquoi les... ouais, ils veulent pas faire du commerce. Alors, on va voir ce que ça donne ici, parce que s'ils prennent la ville, les Avernes, ça peut être un gros problème. Il va falloir que je mette de l'argent, peut-être, pour que Massi... Ok, ça a l'air d'aller. Ils tiennent. Rébellion Octondurion, encore. Rébellion. Ok. Il n'y a que ça des rébellions. Limite, je vais la laisser peut-être grossir. Ouais, non, en fait, non. On va les tuer. Au bout d'un moment, ils vont peut-être s'enlacer. Moins 11. Tac. Et là, on va prendre ça pour baisser le Bounty Tree. Tiens, c'est d'ailleurs, est-ce que je peux avoir des dignitaires? Parce que le banditerie est plutôt élevé ici. Faut que je fasse ça. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est celui-là. Plus 2 d'Imperium. C'est vrai qu'avoir des politiciens, ça pourrait être pas mal. Et là, on a 2 ordres publics. Ok, alors César a amélioré ses la capacité de l'espion. Donc, ok, j'aimerais plutôt voir ce qui se passe ici. Donc, tu vas venir là, ma belle. Hop, voilà. Et ici, il y a une rébellion, donc on va essayer de s'en occuper dès le début. Yes, on la gagne. Super. Pas la faire, hein. C'est pas les trucs utiles. On va les tuer. Voilà, hop. Moins 4. On va les sortir, on va les mettre en patrouille et ça ira dans le bon sens. Ici, est-ce que je peux lui mettre quelque chose qui va améliorer l'ordre public? L'ordre public, l'ordre public. Hop, parfait, plus 4. Y a rien qui améliore l'ordre public ici. Si, là. 4 de recherche, moins 1 d'empire maintenant, ça peut être pas mal. Plus 3 de taxes. On a le banditerie est très faible. Donc, on va améliorer ça. Voilà, ça devrait 7, super. Plus ça, ça va vraiment aller dans le bon sens. Alors, ici, il y a j'attends de voir ce qui va se passer ici. On a pas mal de thunes. C'est plutôt bon signe. Dans un tour, ça devrait aider là. Ici, il va falloir que je fasse quelque chose pour améliorer ça. C'est où ça? Ah, c'est loin. C'est loin. Il faut que je passe les impôts, mais ça va être un peu compliqué. Ok, ça, c'est fini. On va faire ça. Ça, on va l'améliorer aussi. Et on avance. On avance. C'est toujours l'hiver, les gars. L'hiver, c'est repos. Parce que... D'ailleurs, c'est ce que César faisait hein, quand il hivernait. Il allait mettre ses légions... Rébellion évidente. Il allait mettre ses légions dans les territoires conquis ou alliés hein, pour avoir du fourrage. Parce que... Je ne veux pas rester dehors, je reste 2 secondes dehors, c'est la catastrophe. Tac, on a un trésor de guerre assez bon, ok super. Donc on va faire ce qui ramène le plus d'ordre public, 6, paf, il n'y a rien
qui descend le banditry, l'empire maintenance. Non, donc on va faire la fontaine. On va faire la fontaine. Illico presto. Moins 6 ici. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Plus 2 d'ordre public dans 3 tours. Là, ça va dans le bon sens. Donc ça veut dire que si on taxe, ça devrait ramener un peu plus d'argent. Et ça ramène pas mal de bouffe. Donc on va laisser ça comme ça. Ça coûte pas très cher, ces gars-là. Donc on va les laisser. Ou je crois qu'il y a eu une bataille là. Il y a eu l'air d'avoir une bataille et ils ont perdu. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je vais essayer de faire rentrer les Massiliens dans la guerre. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, ils voudront pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Les Allobroges, ils vont se faire détruire, je pense. Il faudrait que les Aoudis viennent. Alors, je vais changer la target. Je vais plutôt mettre ça. Parce qu'ils sont... Ouais, ils ont beaucoup... Ils sont en guerre, ils sont en guerre, ils sont en guerre. Les Biturges. Est-ce que je peux les faire entrer en guerre contre les Arvennes ? Non. Mince, mince, mince. Bon, allez hop, on avance. Il y a une petite rébellion ici, on va s'en occuper. Donc, qu'est-ce qu'a fait César après avoir battu les Germains ? Bah, il a continué à avancer vers le nord. Hein. Des bandits, on va refuser. Hein. Rébellion imminente. Donc, je vais laisser grossir là, comme ça on va bien monter. 5000. Ici, ça s'améliore aussi, super. 3, ça devrait aller. Alors. L'armée est remontée, super, comme ça on pourra aller la chercher plus tard. Je sais pas ce qu'ils font eux ici. Hein. On est en quoi? On est début mars. L'armée S se prépare, super. Donc on a de la cavalerie rapide, ce sera très utile. Ce sera très utile. Prochain tour, on aura une rébellion sur nos mains. 5000. Je peux faire quoi avec tout cet argent? C'est une très bonne question. Ici, je taxe pas. Si, je taxe, mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien parce qu'ils sont très mécontents. Voilà, ils sont très mécontents. Donc, ils ne payent pas leurs impôts. Ça va être ici, 300. Donc, il faut qu'on améliore ça. C'est galère ici quand... Il n'y a pas quelqu'un qui aide à l'ordre public, non. Je pourrais faire un édict, mais je... Plus 4. Je perdrais beaucoup d'argent, en fait. Hein, donc, c'est pas vraiment nécessaire. On va continuer. On va espérer que l'hiver passe. Je sais pas où est-ce que je peux la mettre, là. Par exemple, si j'ai moins 6, si je lui donne ça, enfin, ce sera tour prochain, mais. Plus 8 tax rate. Ouf. Et. Je peux envoyer un émissaire. Ça me coûte un peu cher. Hein. Non, on va pas faire ça. Organiser des jeux. Ou aller voir une faction. Il est où, lui? Il est là. Donc, si je l'améliore, ça coûte pas très cher, on va faire ça. Moins 2 de loyauté. Où je peux envoyer le diplomate voir quelqu'un. Mais voir qui? Voir qui? C'est ça la question. Parce que j'ai peur que ça amène dans le mauvais sens du terme mes relations. Donc, ça empoisonne mes relations plus qu'autre chose. Donc on va rester comme ça, c'est toujours bon d'avoir un trésor de guerre, ça n'a rien dépensé toute sa thune. La grosse question c'est est-ce que les Avernes vont passer à l'action au nord là et attaquer les Allobroges? Alors,
plus 2 de loyauté, ok, super, plus 10. Donc là, si on taxe, ça devrait être un peu mieux. On va taxer pour la nourriture. Ça a l'air de tenir, tant mieux. Ici, on va aller chercher. Hop. J'espère qu'ils vont comprendre enfin d'arrêter de m'attaquer. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Il y a une armée là aussi. On va les laisser un peu se rebeller, c'est pas grave. Pour aller dans le bon sens. Alors, est-ce que eux, je les ai rencontrés ou toujours pas? Non. 72, ça se maintient. Eux, je pense qu'ils pourraient faire la paix, non? Non, même pas. Ça se maintient, ça se maintient. Là, ça descend un peu. Alors, j'ai combien? 9000. Ça, non. Ça, non plus. Non. Ils veulent vraiment rien. Que je rejoigne la guerre contre les carnudes, je m'en fiche. Donc, on a combien là? Merde, j'ai donné combien? Oh putain. Oh le con, j'ai donné toute ma thune. Oh putain. Oh, je suis con. Ah, j'ai cliqué trop vite, les gars. J'ai cliqué trop vite. Bon, bah écoutez, je vais passer le tour. Tant pis, hein, ça m'apprendra. Là, ils vont avoir un trésor de guerre incroyable. Hein. Recherche complète. Et l'hiver se termine. Ok, bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Avec l'hiver, un fou a été attrapé. Un idiot a été attrapé en train de en train de mettre des graffitis sur le temple de Jupiter. On va le punir nous-mêmes. Hop. Donc la légion de César a augmenté. Ouh. Ils se sont fait détruire leurs armées aussi. Oh, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors là, on va pouvoir repasser à l'offensive. On va aller prendre ces villes. D'abord, on va tuer la rébellion dans l'œuf. J'espère que ça va s'arrêter, ces rébellions à la con. Ok, on est positif. Et on va aller chercher là-bas. Avant qu'ils deviennent trop puissants. 2. Ok, et ça, on va monter vers le nord. On va monter vers le nord. Ça redevient positif. Ok, l'hiver a porté son lot de malheur. Et là, les gens sont contents. Donc on va aller chercher notre objectif, c'est de reprendre cette ville. Peut-être demander à Massilia de rentrer en guerre. Avec tout l'argent, j'aurais pu demander à Massilia de rentrer en guerre depuis le temps. Ça aurait été bien plus utile. Ça aurait été bien plus utile de mettre les 9000. Ah, ça m'embête, 9000 pièces d'or balancées comme un débile. Non, ça me servira à rien. Parce que ça, je perds 5 tous les. Je perds 5 valeurs. Hop. Et là, on va passer sur d'autres technologies. On va faire ça. Pour pouvoir débloquer des dignitaires. Et voilà. Et voilà, les gars. On va s'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Peut-être prendre Vaisson Tuyau. Ça pourrait être pas mal. Tiens, je vais même. J'aurai besoin d'un autre espion. Je vais faire ça maintenant. On va prendre elle. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'il va falloir que je prenne ça et ça. Et ensuite, on va monter prendre Ubirzis. Et on verra ce qu'on ça donne. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à plus, les gars. Allez, ciao.